C'était le plus beau jour de leur vie. À l'instar de Kate Middleton et du prince William, Victoria de Suède, fille aînée du roi Carl XVI Gustaf et de la reine Sylvia, et Daniel Westlin ont pris le temps nécessaire pour laisser leur romance s'épanouir. Rien ne prédestinait l'une des princesses les plus convoitées du Gotha à convoler avec son ancien professeur de gymnastique, mais le destin en a décidé autrement. Le 19 juin 2010, soit 8 ans après leur rencontre, la sœur de Carl Philippe a épousé son cher et tendre, en la cathédrale de Stockholm. Si tous les ingrédients étaient réunis pour que cette journée soit l'une des plus merveilleuses de leur existence, les jeunes mariés ont échappé de justesse à un drame, comme l'a révélé plus tard le chef de la police suédoise Mikael Fetz, dans un livre coécrit avec l'écrivain Nicola Anderson. Tout à coup, j'ai vu sur un écran qu'il y avait une image en noir et blanc d'un petit avion. J'ai juste pensé, qu'est-ce que si est-il ? Cela ne correspond pas à mon image de ce à quoi cela devrait ressembler. Point, un avion se dirigeait droit vers le cortège, malgré le fait que tout l'espace aérien était interdit de voyager, a raconté celui qui était en charge de la sécurité du mariage princier, selon des propos rapportés par Pure People. Heureusement pour tout le monde, l'avion en question a fini par dévier de sa trajectoire. Il s'est avéré que c'était une personne tout à fait ordinaire, qui avait raté le fait qu'il y avait un mariage et un espace aérien interdit. Mais cela était sur le point de se terminer en tragédie, et cela aurait été une tragédie, peu importe ce que nous avions fait, a précisé le chef de police. Si l'équipe de sécurité a eu quelques sueurs froides ce jour-là, le mariage de Victoria de Suède et Daniel Westlin s'est finalement déroulé comme prévu. Supérieur à supérieur à Meghan Markle, Kate Middleton, Charlotte Casiraghi, Béatrice Borromeo, les plus belles tenues des stars du Gotha à un mariage Victoria de Suède et le prince Daniel sur le point de divorcer ? Il brise le silence. Le couple formé par la princesse Victoria de Suède et le prince Daniel serait-il voué à disparaître? En 2022, la presse suédoise n'a cessé de se questionner et de répandre des rumeurs selon lesquelles les époux seraient sur le point de divorcer. Après l'annonce officielle de la porte-parole de la cour royale qui n'a pas eu d'effet, la princesse et son époux ont eux-mêmes démenti ces bruits de couloir, dans un communiqué, relayé par Histoire Royale. Nous avons été mis au courant qu'il existe une très importante rumeur négative concernant notre relation privée. Les allégations se répandent au sujet d'une trahison dans la relation et d'un divorce imminent. Habituellement, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations. Mais afin de protéger notre famille, nous voulons qu'il soit clair, une fois pour toutes, que les rumeurs qui se répandent maintenant sont totalement infondées, ont-ils conjointement écrit. Les choses sont dites. Crédit photo, Jacovid Moreau.